reste là. Ouais, elle reste là et tout, ouais, elle reste là. Donc moi c'est deux dos du coup, c'est bon. Comment? Moi ça sera deux dos du coup, c'est bon. Ouais, toi tu vas te retourner, voilà. Hein, tu te retournes. Et elle va rester là, elle dit, mais maman, s'il te plaît, tout, on en a besoin pour notre film de fin d'année, tout ça. Tu vas bien savoir le faire, ça, c'est pas mal. Genre elle a des verres, tout ça. Vas-y, vas-y, fais comme tu t'occupes. Non, 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 j'y vais pas, je suis pas d'accord. Ouais, voilà. Je vais essayer de... En impro. Ouais, j'essaye. Ça, tu m'aides, hein. Moi je bois mon café, regarde. Et elle va te dire, ouais mais attends, t'auras pas pu y penser avant, puis non, je viens avec vous. Toi tu lui dis, non mais, si, non mais tu peux pas venir avec nous, si tu viens avec nous, ce sera pas la même chose, on a besoin d'être juste entre nous, toi. Mais t'inquiète pas, elle va te dire, ouais mais vous avez t'as ton téléphone. Et toi tu dis, bah oui j'ai mon téléphone, et puis on a tous, et puis il peut rien nous arriver, on est à côté. On vient dans une heure maximum. Ouais, ouais. Et puis elle te dit, je te jure, si tu n'arrives pas dans une heure, je te casse la gueule. Flavie, elle lui dit, je te casse la gueule. Flavie, non. Attends, moi tu me dis, je le fais. Flavie, tu sais comment tu fais? Tu fais exactement la même chose quand tu veux aller à Monoprix, Alex, avec tes copines, que tu me supplies au téléphone et que maman te dit, non, tu vas pas. Tu fais la même chose. S'il te plaît, maman, okay. Non. N'aie pas peur. Hein, voilà. De toute façon, on va le faire en plusieurs fois peut-être, mais je vais oublier mon texte. Qu'est-ce que je t'avais dit, on va faire la scène plusieurs fois. Ouais, je m'en doute bien. Bah, nous connaissant, moi aussi, je m'en doute bien. Voilà, puis au bout d'un moment, tu vas dire, tu sais, tu mets sur pause, tu dis, hey. Je veux dire, on rigole, mais bon, enfin, tu dis un truc comme ça. Le film de fin d'année, il se fait. Il y a. Quoi? Excellent. À chaque fois, tu sais. En CM2, j'avais quelqu'un à côté de moi, tout le temps, il me disait ça. Et j'en ai eu marre, j'ai planté mon stylo dans le bras. Moi dans la cantine, j'en ai marre, j'ai planté une fourchette dans l'œil. Dans l'œil. Allez-y, parle de ça. Allez-y. Jouez vraiment ce truc-là. Il a signé. Je le redis. Ouais, allez-y. Tu dis, hé. Et elle a fait quoi? Tu fais ta black fur, tout ça. Tu sais, c'est vraiment des trucs de gamin, quoi, de jeune, tout ça. Allez-y. 3, 2, 1, action. On va regarder sur internet, il y a peut-être des trucs et tout. Ouais, comment ça bidouiller sur internet des conneries? Mais on est en troisième ou on est en quatrième? Peu importe, c'est pareil. Allez, action. Bah, on regarde sur internet. C'est trop copié déjà. Et là, maintenant, toi, tu vas dire, mais j'ai une idée. Attendez, je reviens. Et tu vas chercher. Attends. Attends. Voilà, tu t'attends qu'il cherche et tout n'hésite pas à parler. Ok. 3, 2, 1, action. Attendez, j'ai une idée, je reviens. Attends. Non, discute un peu avant. Faut discuter un peu avant. Discuter naturellement. Flavie, tu regardes jamais la caméra. Elle n'existe pas. Allez, c'est parti. Action. Action. Non, mais c'est pas toi de le dire. Mais tu sais où elle habite, Oui, dans une forêt à côté. On pourrait essayer d'aller la voir. La forêt à côté là-bas? Oui. On pourrait essayer d'aller la voir. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Normalement, tu dis. Mais non, mais c'est nul ou quoi? C'est des conneries. Merde. Mais c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Mais non, c'est vrai. Avec un peu plus de conviction. Mais non, t'es le mauvais acteur, non, tu sais. Non. Ouais, buvez tranquille, vous parlez de la reproduction des baleines en Alaska, de tout ce que vous voulez. Ouais, c'est bien. Ouais, la reproduction des baleines en Alaska, c'est pas forcément très intéressant. La reproduction des bigorneaux, enfin tu sais le. Ouais, je sais pas. Non, la conversation improbable. Ok. Bon. 3, 2, 1, action. Bah, ça va bien, ça va, et toi? Ça va. Des combien de cabris là? On a 3 pour l'instant. Non, attends, faut pas regarder la caméra. Tu vois. Ah, okay, et rigole pas du tout. T'es très sérieuse, recommence là. Tu vois, t'es très sérieuse et tu vas direct voir ta mère et tu t'arrêtes là où je t'ai dit, ok? Super. Continuez de parler, vous en bas. Continuez de parler, vous. Ok? Super. Et action.
Maman ? Oui ? Je peux aller en forêt ? Voilà, tu lui fais, ah ouais, tu crois qu'on y va pas, puis tu dis, bah allez, on y va, puis vous vous barrez et vous le laissez en plan. Et toi, tu restes ici, tout seul, tu sais, tu boudes, ok ouais, 3, 2, 1, action. Bon, on y va, on met nos vestes, puis, allez, go. Ok, cut, revenez. Bon. D'enflure. Allez, go. Exploite enfin, Gabriel. Bon, à tout de suite. À tout de suite. C'est parti. Azaria, elle saute. Bon courage pour monter maintenant. Parce que je l'ai habitué en fait à pas monter sur les sièges, c'est pour ça. Bon bah vas-y, hein, tu peux refermer la porte, fais gaffe à sa queue. Avance-le un peu. Alors mon gros, tu es avec nous au tournage? Ouais? T'es prêt? Ouais, il est gentil avec toi derrière. Ouais, il me bave dessus, c'est tout. Ouais, mais ça, c'est une façon pour lui de dire qu'il t'aime. Il lèche la fenêtre aussi. Vous êtes bien tous les trois? Ouais, nickel. Mais tous les quatre? Ah oui, oui. Ah putain. Mais il est tombé. Comment il s'appelle? Gérard. Ja. 3, 2, 1, action. Cut. Super. Le film est terminé, c'est bon. Ça va sortir en DVD. Voilà, donc la caméra était ici. Et on a un super plan pour regarder que vous retrouverez dans le film. Allez, vous, maintenant, une fois que vous avez assez trifouillé ce bordel, vous continuez votre trajet là-bas, tu dis, bon, allez, on va avancer. Allez-y, continuez sur le volet, puis au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, on y va, on va avancer, parce que... Bon, on y va. Attends, ça va pas passer. Ah, si. Allez, ah non. Il est tombé. Mais c'est vide. Y a rien dans cette maison? Ouais, tu sais pas. Hein. Non. Mais y a un truc. Un meuble ou. Ah. Allez, voilà, non, mais c'est bon. Et en plus, t'as été filmé. Tu vois, je vais envoyer ça à Vidéogag. Tu vois? Eh oui. La terre, ça salit, hein. Vidéogag, le truc existe plus depuis longtemps. C'est vrai. Ça va. Et là, tais-toi. Ok, vous pouvez la recommencer, s'il vous plaît? Allez, tu rigoles pas, Micheline? Allez, 3, 2, 1. Attends, Justine. Moi, j'ai compris Bruce Lee. Hé, Bruce Lee.
Allez, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, c'est à moins 8000, hein. Moins 6, moins 7, vous faites engueuler par vos parents en plus. Voilà, c'est bon. Voilà, Ardim, son corps de la mec, c'est bon. C'est même pas musulman, le mec, il se met à parler comme ça. Ok, 3, 2, 1, action. T'es sûr que c'est par là? Ça fait longtemps qu'on marche là. Hein. Allez, on la recommence. C'est pas moi? Et 3, 2, 1, action. Allez, tu rigoles plus, Flavie? 3, 2, 1, action. Attends, arrête-toi! C'est la faute à Quentin. Allez, c'est Sophia. 3, 2, 1, action. Mais t'es sûr que c'est par là, là? Ça fait longtemps qu'on marche, non? Ouais, t'inquiète, je gère la fougère. Bon, bah, c'est niqué. On rigole plus, c'est sérieux, ça fait flipper. 3, 2, 1, et action. C'est quoi ton raccourci là? Ça fait 2 heures qu'on marche. Mais c'est où? Oui, ben on est bientôt arrivé, hein. Mais ouais, mais depuis tout à l'heure, j'ai mal aux jambes et tout là. Bon, attends, on attend d'être arrivé, puis après on repart. Mais venez, on repart, vous voulez pas? Non. Non. C'est quoi ça? Où ça? Là, regarde. Ah ouais. Ah ouais. Une sorcière. Une sorcière, mais c'est bon, je t'ai mis dans la tête. Est-ce que t'as peur? N'importe quoi. T'as peur. Non. Assume. Ok, on va la recommencer. Là, c'était n'importe quoi. 3, 2, 1, action. Regarde à gauche, à droite. Inquiète. Ouais. Good, super. Cherche, oh, cherche autour de toi, tu dis putain c'est quoi ce délire. Tu 3, 2, 1, action. Voilà. Ah, elle est pas bonne hein. Je connais ici, il y a un arbre. Et cet arbre-là, c'est moi qui l'avais planté. Je dois dire quoi pour de vrai? Je reconnais à l'arbre. Il y a des arbres partout. Là, tu dis, je suis sûr que c'est par ici. Non, on est sur bon chemin. Et Marine, elle dit, j'espère, parce que là, vraiment, j'en ai marre. Et l'autre, et Flavie, elle dit, j'ai peur. Allez, on se casse, l'emmerdeuse. Tu vois. Ok, 3. 2, 1, action. Je suis sûr que c'est par là, je reconnais. Allez, on la recommence. C'est pas moi. Allez. Allez, filles, allez. C'est pas nous. Allez, bon, 3, 2, 1, action. On la recommence. C'est pas moi. Vous fatiguerez avant moi. 3, 2, 1, et action! On la recommence? Quentin! 3, 2, 1, action! Je connais par là. On la recommence? Voilà. 3, 2, 1. Je reconnais, c'est par ici? Ouais, c'est ça, tu dis, je reconnais, c'est par là, si, ça me dit quelque chose. On est sur le bon chemin, vous inquiétez pas. Et l'autre, elle dit, j'espère, parce que là, j'en ai vraiment marre, quoi. Okay. Et tu continues après. Tu dis, t'inquiète, on y arrive. Action. Okay. On la recommence. Arrête,
Bon, là on s'approche du cachot. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Vous voyez, donc le cachot est là, c'est là que les jeunes seront enfermés un temps avant d'être libérés par sorcellerie. Qu'est-ce que t'en penses toi, Pépère? Oui, t'es toujours là, toi, fidèle au poste. Allez, on grimpe, on y va. Mélanger tout ça. On va revenir en fin d'après-midi. Voilà. Bon, ça va les comédiens? Oui, très bien. Ouais. Il fait froid là hein, ce matin. Ah ouais. Bon. Vous allez vous en remettre. Ça va Virginie? Toujours, ça va. Ouais. Tu fais quoi là? La mise en place. La mise en place de quoi? De la chaise de la sorcière. Ah d'accord, ok. Autant dire moi. Voilà. Ouais. T'as un bel étalage là aussi. Hein. Donc là, Marine, elle est en train d'écrire les questions qu'elle poserait à une sorcière, voilà. Donc c'est moi qui lui ai donné ce devoir à faire pour que ça soit le plus instinctif possible, le plus naturel possible. Tu jettes bien le bois. Je mets des deux pignons. Tu vas pas tarder à t'habiller aussi et on termine ça. Puis... Je vais me préparer. Ouais, ouais, ouais. Je vais te maquiller les yeux. Les deux, hein? Ouais, les deux yeux. Ouais. On raconte de vous que. Vous avez emprisonné des enfants, vous avez tué des enfants, vous faites des rituels avec des enfants. Okay, que vous invoquiez les démons, que vous jetez des sorts. Il y en a même qui racontent que vous avez besoin de jeunes enfants pour voler leur jeunesse. Tu vois? Tu notes ça? L'idée, c'est que, si tu veux, le principe de la sorcellerie, selon, en tout cas de certaines formes de satanisme, c'est qu'ils volent la jeunesse des enfants. Donc ça passe par des sacrifices d'enfants, de bébés, d'enfants, de vierges, pour leur voler de la jeunesse et pour avoir aussi le pouvoir de Satan. Ça te fait rire, ça? Tu t'es fait mordre par une citrouille, fais gaffe. Non, donc ça, c'est des choses qui existent. T'as vraiment des gens comme ça hein, qui pensent qu'ils vont voler la jeunesse et avoir du pouvoir de Satan, des démons, des choses comme ça, en sacrifiant des enfants. Ça existe vraiment. Et là, le but, c'est de le mettre en fiction, en fait, en quelque sorte. Voilà, puisque, enfin, c'est une fiction, forcément. D'accord. Vous n'allez pas rester dans le cachot. Et vous n'allez pas mourir. Tu voulais, toi? De quoi? Tu voulais rester dans le cachot et mourir? Non. Non? Faut pas tout avoir dans la vie, tu sais. Alors, t'as trouvé des quoi comme idée, là, pour au niveau des questions? Ben, en fait, les parties mondiales, parce que j'avais trouvé 6, c'est eux, ils ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé, eux? Ouais. Oh, les nuls!
Oh le naze. Pareil ça. Ah. Où est-ce que c'est le boss? L'honneur est sauf quand même, bordel. Eh, c'est toi le mec, hein. T'es quand même un bonhomme. Pas une tarlouse. Une tarlouse, c'est pas une tarlouse. C'est pas une tarlouse. Alors pourquoi je t'ai pas jamais vu qu'une fille? Puisque t'es jamais là. Exact. Bon, j'ai le pinceau. Je vais te maquiller. T'as le pinceau. Ah, Caro. Ah, fais le paparazzi. Je vais te maquiller pour que tu sois maquillée, Vélique. Ah, ouais. Il a roulé sur mon pied. C'est pas sur le pied. Ah, mais il lui maquille les dents. C'est une beauf. Il a maquillé les dents. Mais oui. Ah, mais c'est dégueu. Non, j'ai avalé la moitié du pinceau. Il vient de partir tout le nez. Non, mais je peux pas courir. Mais Morgane. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Allez, Azaria. Allez, viens là. Stop. Allez, on va attaquer les gars. On a assez déconné. Il m'a attaqué lui déjà. T'as fini de faire chier Azaria? Ouais, super. Ça c'est bon ça. Tout le monde a été très bien. Flavie, fais gaffe, t'as toujours ton petit rictus régulièrement. Ok? Faut que tu vires ce putain de rictus. Hein, Flavie, viens voir. Hein? Ah! Ah! Allez, sois bien! Tu vas être bourré. C'est vrai, tu viens, Virginie? Okay. Je suis là. Hein? T'as peur, je crois que t'as peur. Non. C'est comment t'as peur? On l'entend? Oui. Enfin, j'essaie de le... Bien, c'est quoi? Mon accent. C'est bien, c'est bien... C'est pas l'accent, c'est pas bien. C'est bien, c'est bien. On va la recommencer. C'est super. Vous croyez vraiment aux légendes? Allons. Venez, suivez-moi. Nous allons rentrer dans ma demeure. On va aller se réchauffer. Il fait un peu froid. Super. Good. Et une dernière. Avec beaucoup de focus. Maintenant. Ok. Je reviens de vos places. Ça part. C'est bien. Prenez un peu plus de vos soins tranquille. Ok. C'est bien, hein, ton dialogue est bien, c'est bien pour un peu vie, tout ça, là t'as pas fait correct. Ouais. 3, 2, 1, et action. Et toi, jeune homme? Oui. Crois-tu que je suis une sorcière? J'ai pas de preuve. Pas de preuve? Personne n'a parlé de moi? En termes de sorcellerie? Les gens du village. Non, sort comme qu'à la sœur. J'ai des problèmes. Tu viens d'où, toi? C'est comme la vitre. Comment? Je sais plus ce que je disais hier. La vitre, merci. Je me suis loupée dans le... Ça va, toi? La vitre. Ça va. 3, 2, 1, action. Ah! Mais je suis loupée. Pourquoi t'as rigolé? Ça m'a fait peur. Mais c'était rigolé. Tu vois ça? Je t'ai vu là-haut. J'étais pas prête. 3, allez, on rigole plus là, sérieux. On a plus beaucoup de temps. 3, 2, 1, action. Ah, mais j'ai une idée. Ça va, toi? Ça va. Et toi, mon gros, ça va? Hein? Tu surveilles? Oh oui, mon amour, pas bouger là. Ouais! Pourquoi tu veux aller en... Ils doivent tuer leur poulet, donc
Ouais, ouais. Demander si un zoom. C'est pas prévu aujourd'hui non plus, mais. Ouais, tout à fait. On peut faire une séquence avec ça, ce serait super, ouais, ouais. Tu vois, t'allais le faire dans les jours. On va égorger une poule. T'allais le faire dans les jours à venir. On va le faire dans les jours à venir. C'est une poule pour manger, quoi, forcément. Ouais, ouais, ouais. Il est là pour le manger. Bon, bah alors si c'est pour manger, ouais. Tu te sens, non ? Ah oui, et moi, couper, ouais. Le truc. Non, c'est... pas couper, c'est taper pour l'ensuquer, c'est ça que tu veux dire ? Bah, du couper. En fait, on les saigne les pas. On les saigne non, pas. Les on... Ah, toi, tu les décapites. Ouais, bah... Direct, le plus vite, pour pas qu'elle souffre. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oui, c'est bon. Tu prends le couteau. Plac ! Ouais, c'est censé se durcir un peu. Ouais. J'aime pas les vider, laisser se vider de leur sang. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. C'est bien, c'est bien. C'est bien. On fait pour siffler. Avec la bouche. Ah, c'est bien foutu. Hein. On y va ? Allez, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? On va voir comment on fait dedans. Il y aura de la lumière. En fait, à l'intérieur, il y a de l'eau en plein milieu. C'est tout petit, il ne faut pas aller dans l'eau, il y a de la vase. On peut s'enfoncer assez profond. Donc vous allez être vraiment serré. C'est une vraie prise de risque. Voilà, donc là, faut faire très attention, quoi. Bien sûr, vous n'allez pas vous enfoncer tout complètement, mais je veux dire, toutes vos jambes seront dans la vase si vous tombez, quoi. Toutes les jambes. Au moins jusqu'à la taille, au moins. Ouais. Donc l'eau est froide en plus, vous n'allez pas mourir, mais ça sera super désagréable, quoi. C'est grand, pas dedans. C'est tout petit. C'est tout petit. Non, vous allez être serré. Et justement, toi, Quentin, c'est toi qui vas y aller le premier. Tu vas être au bord de l'eau, en fait. Hein, voilà, maintenant, entre. Mais est-ce que tu vas nous éclairer quand on sera dedans ? Un peu. Ah, mais c'est là, l'eau ? Ouais. Allez, entre. Ah, Quentin. D'accord. Quentin ? Oui. On a besoin de ces séquences-là, tu vois. C'est des séquences géniales. On va laisser nos sacs ? Non. Attends, pose-toi, s'il te plaît, Marie. Stéphanie. Vas-y. Vas-y. Rentre. Tu as vu où elle était, l'eau ? T'as repéré ? Ouais, on dit. Moi, j'ai pas vu où elle était. Voilà, tu te mets là et tu bouges plus. Voilà, tu devras te mettre là. Voilà, tu peux te tenir. Et derrière, t'as vu, t'as des squelettes. Hein. Oui, j'ai vu. Mais après, on monte pas derrière. On monte derrière vous. Non. Ok. On reste là. Toi, tu vas te mettre là. Et toi, Flavie, tu vas te mettre à côté, en fait. Vous allez vous mettre là, et vous pourrez vous accrocher au barreau ensuite, oui. Et vous serez confiné ici. Donc vous avez un espace vraiment minuscule, ouais. Et c'est là que vous allez être enfermé pendant un petit moment. Oui. Combien de temps ? Là, on a bien pour au moins une heure de séquence. Là-dedans. Donc on va rester là. Je vous l'ai dit, ça allait être... Vous allez être collé, vous n'allez pas être bien, il va faire froid, ça va pas être à l'aise. Et c'est pour ça que s'il y a des rigolades et des rictus et là je pense pas. Je vais pas rester là, moi. Donc ça dépendra aussi beaucoup de vous. Hein. Oui. Ok. Voilà, moi c'est mort. Hein. J'ai mal au dos. Monsieur a voulu être acteur, maintenant dès qu'il y a une petite séquence d'une heure, il rushing. Allez. Ok. Marine, tu vas commencer à pleurer, ok ? Tu vas commencer à pleurer et vous essayez de la consoler, ok ? Tu commences à pleurer, après tu te mets accroupi par terre, tu vois, comme moi. Tu mets accroupi, tu pleures, tu fais... Quoi ? On va rester ici, putain, hein ? Tu vois, tu dis, putain, on va rester ici, et c'est qu'on n'aurait jamais dû venir ici, là, mes parents vont s'inquiéter et tout ça, ok ? 3, 2, 1, action ! Je cherche un peu et puis je trouve. Tu vas faire comment là ? C'est fermé à clé. C'est le cas de les voir. Vous avez tous nettoyé les couloirs du... Qu'est-ce que vous regardiez là ? Regardez tes vidéos. Lesquelles ? Sur Instagram. Ah, la promo alors ? Yes. Donc c'est quoi le hashtag ? Sorcière de film. Voilà. La supervision de la sorcière, bien sûr. Est-ce que tu te coupes pas un doigt en train de couler ? Que de s'entraîner, d'être sûr d'aller là où tu as envie. Je sais pas si encore du bois. On a ravivé le feu au fur et à mesure. Oui, merci. Parce que le truc, c'est de le tenir en même temps. Ah ouais, alors attends. Qui c'est qui met sa main que je fasse ça ? Non, mais toi. Ouais, non, mais.
tu finis tout, tu le tiens toute seule, c'est ça? Tu le tiens et tu le tues? Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que devrait faire, ouais. Bon, de toute façon, c'est un poulet qui allait mourir d'ici peu, hein. Hein? Oui. C'est ça. Il va être mangé. Il va être mangé. Oui. Je suis dans mon rôle, hein. Test. Là, il n'y a plus que les nerfs qui bougent. Hein. Non, c'est bon, j'ai pas... si, elle est morte. Hein. Dès le début, tu l'as tuée. Ouais. Ah ouais? C'est normal que ça bouge comme ça, c'est les nerfs. Tu fais ça à un canard, tu le lâches, il barre, il fait le tour du barbeau. Vous l'avez coupé? Non, pas du tout, non. Allez, 3, 2, 1, action. Ok, good. Donc là, on est en pause. Hein. Ah, on en fait des pauses. Voilà, on va faire une séquence avec Madame Elda. Et puis ensuite, on va faire... j'attends que la nuit tombe pour faire les séquences de nuit avec les trois jeunes. Alors, ça se passe bien le tournage, toi? Hein? Ça se passe bien le tournage, mon pépère? Hein? Oui? Ça se passe bien? Non mais dis, il commence à faire frais, donc il faut se couvrir. Merci. Voilà. Goûter. Ton gobelet là rempli de sang de ton poulet, tu vois, et on voit que tu es dans un sacré. Dans une notion voilà, de cérémonie sacrificielle de poulet. Enfin, tu sais, un peu le cliché quelque part, quoi, ok? Tu vois, donc tu entres dans une sorte de méditation, une sorte de transe à toi, tu vois, et tu baragouines un truc complètement improbable, ok? Et dans ton baragouinage, à un moment donné, une fois que tu es rassasié de baragouinage, et ben tu bois ton sang, en fait, tu le dégustes, tu vois, tu vas tout doucement, tu vois, c'est vraiment très... C'est très cérémoniel, tu vois, et là, tu reposes. Et là, tu ouvres les yeux, tu sais. Et on cuttera ici. Mmh. Un truc comme ça, ok? Si tu veux innover, tu peux innover. Fin de journée. Ouais. Joyeux Pâques. Bonne année. Joyeux Noël. Bonnes vacances. Pour les parents lundi. Qu'est-ce que tu viens de faire, la Virginie? Je viens de lécher une tête de poulet. T'as bien raison. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Et j'ai du sang de partout. Ah, c'est cool. Des bonnes petites occupations, ça. C'est clair. Et voilà, la tête de poulet. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire cette séquence-là une troisième fois. Ça me fera 5 plans en tout, hein, pour l'effet reportage, c'est très 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 vivant quoi, et hyper cuté. Et en fait, cette séquence-là, on va la faire avec les gamins ici dans le coin, en faisant attention de pas trop filmer, voilà, ce genre de trucs là, voilà, qui sont pas trop les bienvenus, mais voilà, donc on va faire ça. Tu recommences toute ta cérémonie ridicule. Aujourd'hui, je juge ça ridicule. Avant, je faisais des trucs comme ça, j'étais à fond dedans. Tu vois, t'imagines le délire. Et voilà, donc... expression du visage. N'oublie pas, ouais, de toujours froncer les sourcils. Hein. Là, t'es vraiment colérique et vraiment mauvaise. N'hésite pas à parler un peu tu sais, les dents un peu serrées, tu sais, tu vois, comme les gens énervés, voilà. Et dans cette séquence là donc, une fois que tu es à genoux à ce niveau là tu vas lever le visage vers eux, ils sont là, ok? Tu vas faire bienvenue à cette nuit d'horreur à ta sauce, ok? Et tu vas te lever et tu vas te présenter vers eux et on cuttera vers ça à ce niveau-là, d'accord? C'est ça la séquence. Venez les gars!
Merci pour votre patience. On va commencer, attention au pied. Voilà, donc vous allez vous affaler ici, hein, un petit peu comme vous étiez tout à l'heure, sauf pas style mode amoureux, hein, vous êtes pas amoureux du tout dans la vraie vie, et, enfin dans le film, pardon. Mettez-vous ici, assis-toi là, toi. Ouais, un peu plus là, ouais. En fait, c'est pour cacher cette merde là. Ouais, toi tu te mets au milieu, ouais, nickel. Et toi tu te mets, bah, du coup, ici. Attention. Ouais, nickel. Voilà. Et en fait, vous avez un regard complètement abêti, complètement neutre, donc vous n'avez pas de texte pour le moment. Et on refait exactement la même séquence, sauf que dans cette séquence-là, vous apparaissez. Donc vous êtes là, en fait. Un peu la bouche ouverte et tout, et vous ne la regardez pas spécialement. Et vous fixez un point et vous vous y tenez, ok? Et il faut juste que ça fait comme si vous étiez en hypnose, en fait. Comme ça. Le mec, tu sais, c'est genre, tu lui parles, oh, oh, tu fais ça devant ses yeux, ça, tu vois, il n'y a pas de réaction, tu vois, le genre, comme si c'était un mec shooté ou possédé. Et là, en l'occurrence, vous êtes sous une influence satanique, quoi, l'influence de la sorcière, ok ? J'ai une main sur vous. Voilà. Quand tu leur dis bienvenue à Céline, c'est sur la droite, ok ? Sur ta droite, pas sur la gauche. Que je tourne la tête ? Ouais, que tu tournes la tête. 3, 2, 1, action. Bienvenue à cette nuit d'horreur. Je vais virer ce radiateur à chaque fois, donc ok. 3, 2, 1, et action. Regarde ce que j'ai fait de ton dieu. Vous approchez pas. Good. Ah, reculons. Non. Ok, tu te bats. Good. Good. Ok. Impeccable. Reviendez. Super. Et sans taper dans la caméra de recul, c'est bien. Donc là, on a du lait, ce qui sera une sorte d'écume en fait qui sortira de ta bouche. Tiens. Donc faut pas trop en mettre non plus pour que ça fasse, tiens, pour pas que ça fasse trop non plus lait, que ça fasse exagérer. Tu vois, faut qu'il y en ait juste un peu qui sorte, tu vois, qu'on voit que c'est juste de l'écume et non pas un dégueulis non plus exagéré, tu vois. Ok, t'es d'accord avec moi, Flavie? Merci. Ta fille, elle est d'accord. Elle est docile. Elle est d'accord. Je vais te placer à ton endroit. Donc, tu ne le mets pas tout de suite dans ta bouche. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'est que tu es. Donc, tu es en transe. Elle t'a fait beaucoup de mal avec le Christ. Et on va faire un plan donc assez focus sur toi, où tu baves un peu sur toi, voilà, tu n'étais pas bien, et en même temps tu t'évanouis en fait, tu vois, tu t'endors, tu tombes comme une merde, ok? Et à partir de là, Flavie, tu t'appelles comment? Flavie. Ah, ça n'a pas changé? Oui. Ok, d'accord. Non, parce que des fois, on ne sait jamais. Pourquoi tu rigoles? Toi aussi, tu as les lèvres sèches? Oui. Ouais, moi aussi. C'est le froid, ça. Hein, c'est le froid. Ouais, c'est le froid. C'est le froid. Ah bon, ouais. Tu le dis. Hein. Et ici. Ah, je suis là, je vois pas. Ah ouais, pas. Je recrache après. On n'avait jamais vu une sorcière faire des sandwichs comme ça. Hein. Non. T'as vu un peu? Voilà, pose la tête dessus. Voilà, recule ta tête. Ok. 3, 2, 1, action. Quête. Ça glisse. Super.